4, un variable évidemment, petit et qui en accord, on n'oublie pas le S, sur lui, bébé, il, on n'oublie évidemment pas. Et vous riez, point. De ce rire particulier, hoquetant, idéal, éphémère, virgule, un rire de plaisir pur, virgule, un rire qui disait, deux points, ouvrez les guillemets, je n'en ai pas assez, virgule, je n'en aurai jamais assez, virgule, je veux que ça continue toujours, point, fermez les guillemets. Bravo Catherine, restez avec nous quelques instants, bravo et merci beaucoup, très belle lecture. Jérôme Libeskind, vous êtes avec, je crois que vous êtes au tout dernier rang des Champs-Élysées, c'est-à-dire de la partie piétonnisée. Exactement, vous savez... C'est un sprint aussi, c'est sportif, c'est ça. Mais ça c'est la troisième dictée. Hein, mais j'ai voulu aller tout au fond de la classe parce que j'ai toujours eu une affection particulière pour les élèves du fond de la classe et je voulais voir si aujourd'hui, eh ben, au fond de cette classe, on avait aussi de très bons élèves. Là, je suis avec un jeune homme. Salut, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Albert. Ah, il a passé. Ça va. Tu penses que t'as fait combien de fautes ? 20. 20 fautes, bon, ça va. Et est-ce qu'il y a un mot qui a été particulièrement difficile ? Les principales difficultés de ce texte, je vous invite à corriger au stylo vert. Juste avant, je vais vous demander d'applaudir très fort Aïden pour l'encourager. Bravo Aïden, bravo. Merci, bravo. Donc le texte...